Qu'est-ce que je fais? Cette histoire m'est arrivée un matin de juillet quand j'ai reçu une lettre commandée à mon nom. La lettre disait que ma mère, Jennifer Blackwood, était décédée subitement et que j'allais désormais être l'unique héritière du manoir Blackwood. J'étais perplexe face à ces événements car je ne connaissais même pas ma mère ayant grandi dans un orphelinat. Ok, bon, on n'a pas connu nos parents. Toutes mes tentatives pour découvrir quoi que ce soit sur mes parents m'ont toujours laissé de marbre. Mais maintenant, cette lettre est la clé pour répondre à toutes les questions que j'ai gardées en moi durant toute ma vie. Je me fiche de la vérité, tout ce que je veux c'est savoir pourquoi mes parents m'ont abandonné. Donc elle a été abandonnée à la naissance, elle a jamais connu ses parents, ses parents sont décédés. Elle a reçu une lettre comme quoi elle héritait du manoir de ses parents, qu'elle a jamais connu. Et là on va aller se rendre sur place, voir ce qui se passe. Merci Kelly pour le follow sur Twitch, même de la commune, et merci à Miss pour les 4 mois de sub, merci à toi. On est bon? Coucou les arrivants. Allez, let's go. Alors, les gens normaux, ils le finissent en une heure, donc vous, voilà, comptez le double pour moi, à mon avis, on va mettre 2 heures. Ok, ça c'est l'inventaire. Merci Flo pour le 5e mois de sub, merci beaucoup à toi, merci pour votre soutien. Coucou les arrivants. C'est un manoir ça? Mais attendez, ils sont dans nos gueules, c'est pas un manoir, on peut sortir? C'est une maison? C'est pas un manoir? Pour moi, un manoir, il y a déjà, il y a un vestibule. Le fameux vestibule. Et genre, pour moi, il y a les escaliers comme dans Resident Evil 1. Vous savez, les énormes araignées, n'importe quoi. Les énormes escaliers au milieu. Vous m'avez tellement parlé d'araignées tout à l'heure, du coup, ça restait dans ma tête. Merci, Candyman. Bienvenue parmi les petits fantômes. Merci pour ton premier mois de sub pour le Prime. Pour moi, c'est une maison, c'est pas un manoir. Allez, on va faire Kendro Plaza. Il fait assez froid dans la maison, je dois trouver du bois et des allumettes pour allumer la cheminée. On va faire le home tour, ok? Ça a été rénové? Non mais c'est une maison, c'est pas un manoir. Ou alors, il y a une autre partie beaucoup plus importante, mais... Merci Justin pour le follow. Bienvenue dans la commune. On a les allumettes. Oh, on a sûrement vu des éléments dans d'autres jeux. Hein. Les assets des jeux sont souvent réutilisés. Pizza pepperoni. Ça va. Plutôt bon goût. Cher monsieur Blackwood. C'est une note qui vient du notaire. Cher monsieur Blackwood, comme convenu, je suis venu samedi pour récupérer les papiers nécessaires, mais je n'ai pas pu les trouver car certaines pièces étaient fermées à clé. Je vais me rendre à la morgue demain et regarder dans les effets personnels de votre mère. Je pense que les clés devraient s'y trouver. Je vous contacterai cet après-midi. Bonne ambiance. Oh merde, on peut sortir dehors. Ah oui, on voulait prendre du bois. Non mais attendez. C'est ça que je voulais vous montrer. Dites-moi dans le chat, c'est une maison ou un manoir? Ils appellent ça un manoir. On est d'accord que c'est une maison, je suis pas fou. C'est une maison. Par contre, c'est grand dehors. C'est une maison, on est d'accord. Attendez, on a essayé de me refourguer une... On m'a vendu ça comme un manoir alors que... Ah, attendez, ça va où ça? Ah, attendez, c'est peut-être là, non? Il y a peut-être un autre bâtiment dehors. Ok, donc on a une arrière-cour assez grande. Ok, c'est quoi ça? On a une espèce de statue de lion. Je sais pas trop ce que c'est. On a la table à pique-nique dehors. On a la verrière. Pour le petit jardinage. Il y a un code à 3 chiffres. Ou à 3 lettres. Bien tenter les jumpscares. On prend le bois.
Ok, là c'est un peu le coin débarras. Ok, ça va. Oh mon dieu. Oh mon dieu, regardez. C'est le sous-sol ça, non? C'est bizarre, l'entrée du sous-sol, on dirait une cheminée. À mon avis, on va y aller à un moment donné, ici dans le sous-sol, c'est sûr. Et là, il y a des journaux par terre. Marilyn Monroe a été retrouvée morte. Bon, ça fait un petit moment. Hein. Je sais pas s'ils sont au courant. Goût les arrivants. Ok, on va continuer le home tour, même si on a ce qu'il faut pour démarrer le feu. Ok, déjà c'est pas trop chelou le... Ok, il y a des planches. Je pense que c'est ça le sous-sol. Il m'a mis un coup de pression lui. Coucou les arrivants. Ah, faudra trouver un ours à mettre ici. Salut Marjo, coucou les arrivants. Ok, on a un code ici aussi. Ok, je crois qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée, on va aller voir l'étage et après on allume le feu. Porte fermée à clé, donc c'est normal, le notaire a dit qu'il y avait des pièces qui étaient fermées à clé. Rien de louche pour le moment. Pas trop voir dehors. Coucou les arrivants, on vient juste de commencer le second jeu. On est sur Family Curse, vous avez les noms écrits un peu de partout. Les points d'exclamation game devraient marcher. La fameuse buanderie. Coucou les arrivants. L'étage a pas l'air si grand. Quoique. Porte fermée à clé, c'est un bureau. Oh mon dieu. Ah j'ai cru que c'était quelqu'un, c'est les cintres. Avec des fringues. Ok. Le jeu est plutôt beau, hein. Porte fermée à clé. C'est Morgan. Coucou tous les arrivants. Et là... La salle de bain avec le rideau de douche tiré, bien entendu. Les tableaux, je sais pas, on va voir pour le code. Je sais que dès que je vous montre un code, vous êtes déjà au taquet. Merci pour les gifs sur TikTok et merci pour le rang gaming 98. Merci beaucoup à vous. Ouais, les backrooms, c'est cool, on en fait de temps en temps avec Zali. C'est pas mon style préféré, mais je trouve que c'est plus sympa à plusieurs. Mais... Le tableau en bas, il est tombé, Sadness. On va voir après. Ne vous inquiétez pas. Tranquille, les amis, ici, c'est tranquille. On fait le tour de la maison. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui... Comment dire, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai loupé, ne vous inquiétez pas, je serai bloqué dans le jeu. Donc on sera obligé de le voir à un moment donné. J'hésite pas à faire le jeu avec vous. Ne vous inquiétez pas, on va tout regarder. Là, on regarde un peu la maison dont on a hérité, à quoi elle ressemble. Ok, là c'est la buanderie. Je crois qu'on a fait le tour, les amis. Ok, bon, pas mal, mais elle, il commence à avoir un peu des travaux quand même. Ça commence un peu... Déjà, le sol, pour commencer, ça craint. Il y a des trucs pétés par terre, encore, bon, un coup de balai. Et j'ai vu que les murs, ça commence à craindre aussi. Je crois qu'ils commencent à être fissurés, donc c'est un peu la merde. Ah, mais regardez-moi ça. Ils vont passer à travers le plancher. Il y a une croix à l'envers au rez-de-chaussée? Non, il y a une croix à l'envers? C'est pas vrai. Non, vous déconnez. En général, c'est plus tard dans le jeu hein, qu'ils retournent les croix, etc. Une croix à l'envers? Ah ouais? Mais où ça? Au rez-de-chaussée, vous me dites? Vous l'avez vu sur TikTok, la croix à l'envers, ou pas? Ou ils me font marcher sur Twitch? Coucou Lina, comment ça va? Non? Où il y a du bois sur la porte? Donc là? Non, pas là. Là? Il n'y a pas de croix à l'envers. Ah, ça? Non, c'est pas une croix à l'envers, c'est la tapisserie qui est abîmée, mais je vois ce que vous voulez dire, ouais. Après, c'est peut-être qu'ils avaient mis une croix à l'envers et qu'ils l'ont arrachée, vous voyez ce que je veux dire? Ça a arraché la tapisserie. Non, pour l'instant, tout va bien. Allez, let's go, on va allumer la cheminée.
J'aime bien prendre le temps de découvrir l'environnement dans lequel on va passer un peu de temps. Pour m'imprégner un peu. Ouais, faudra un pied de bûche à un moment donné. C'est pas parfait le petit peu, le petit vœu. Voulez-vous faire une sieste? Attendez, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sieste maintenant ou pas? Il y a quelque chose? Vous voulez qu'on vérifie un truc avant de faire la sieste? Parce qu'à mon avis, les embrouilles vont commencer quand on va faire la sieste. Je sais pas pourquoi, je sens pas. Coucou les arrivants. Je crois que c'est le point de non-retour, la sieste. Il y a un truc que vous voulez vérifier? Je crois qu'on a tout vu, hein. Là, on a vu qu'il faut un petit ourson. Attendez, Ah, il faut une clé. Ok, là, on peut même pas mettre le code. Bon, bah, allez, go, sieste, hein. C'est lequel le plus flippant? Pour moi, c'est celui en bas à gauche. Alors, 1, c'est lui en haut à gauche. 2, c'est lui. 3. Ou 4. C'est pas forcément pour juger au physique, encore une fois. Hein, c'est pas l'état d'esprit de la chaîne, mais c'est juste l'attitude et le regard. On sent que là, on sent qu'il nous veut du mal. On est d'accord, 4, hein, quelqu'un. On sent qu'il nous veut du mal, lui. Hein. D'ailleurs, c'est marqué quoi? Les dates de naissance, ça va peut-être être utile pour le code après. Vous pouvez retenir pour moi 1876-1951. 1876-1951, parce que celui qui fait flipper, c'est le seul qui a une date, comme par hasard. C'est peut-être notre père, hein. Celui qui nous a cédé la maison. Qu'ils essayent de nous refourguer en tant que manoir. Allez, petite sieste. Perso, je ferai pas de sieste dans une maison que je connais pas. Mais je sais pas vous, mais c'est lui les arrivants. Il y a les dates sur les autres 4, j'ai pas vu moi. Ah, c'était pas le seul? Ok, autant pour moi. Déjà, il y a un problème au mur. Je passe lui, il y a un pentagramme avec des traces de main. Mais attendez, mais toute la maison a changé. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Il y a tout qui a changé. Non, on a dit les diamants déjà. Je vais le redire dans pas longtemps, mais on l'a dit il y a pas longtemps. Je vais pas le spammer non plus. Alors, il y a peu de chances que ça soit Granny, hein, qu'on l'ait vu sur cette chaîne. Fallen 7 tombé. Il me saoule à harceler les gens téléphone. Maman? Maman, c'est toi? Nos parents sont censés être morts. Ok, je propose qu'on refasse le tour de la maison. Coucou les arrivants. What the fuck? Ah, ils ont des dates en dessous les autres, vous avez raison. Sur les cadres. Alors, je sais pas ce qu'ils faisaient les parents, mais à mon avis, ils faisaient un peu trop la fête. Et bon appétit, bien sûr. Je vous avais dit qu'il y avait du gore. Hein. Il y a le cerveau. Il y a le cerveau de la bonne femme. Il y a le cerveau de la bonne femme qui est là. Et regardez sa main. C'est des cannibaux. Je pense que c'est des cannibaux, regardez. C'est des cannibaux parce que c'est dans une assiette. Je pense qu'il l'a bouffé. Ouais, c'est ça, Emily, je pense. Mais qu'est-ce que c'est ce cadavre? Qui aurait pu le faire? Oh mon Dieu, il y a les oreilles!
Regardez, on voit les petits bouts. Je crois qu'il y a une oreille là. Des cannibaux. Un cheval, des chevaux, un cannibale, des cannibaux, c'est normal, non? C'est un live 18+, hein, les amis, pour info. Qui est un dégât en tant que tel, sachez-le, et le jeu aussi, c'est 18+. En même temps, on fait que de l'horreur sur la chaîne. Bon, je pense que les parents, ils avaient pas de problème de bouffe, parce qu'à mon avis, ils ont trouvé à proximité à chaque fois. On va regarder l'étage, avant d'aller dehors. En vrai, on devrait se barrer, là. Sa place, je me barre. On se barre. Là, on n'a pas pu rentrer tout à l'heure, ici. C'était quoi? C'était une bonne femme avec les... C'était pas une bonne femme à la The Ring avec les cheveux noirs qui a grimpé au mur? Je crois que c'était une bonne femme avec les cheveux noirs, non? C'était pas genre Sadako de The Ring qui a grimpé au mur? Attendez, je me monte encore un peu le son. Bah, je crois que c'est une bonne femme en robe de nuit avec les cheveux noirs qui a escaladé en mode araignée le mur, non? C'était ça? C'était ça, non? Je crois que c'était ça. Hein. C'est ça. Thank you. Anamès, extrait de Amanès, patiente Lily Cruz, à 12 ans, elle avait 12 ans. Merci Claire pour le sub-gift, merci à toi. Diagnostic non établi. C'est quoi une anamnèse? Le patient était admis avec des plaintes de forte fièvre, des douleurs migratoires dans tout le corps, des nausées, des vomissements abondants, des maux de tête sévères. Selon les études, il est possible de juger d'une liaison auto-immune de l'organisme, mais le diagnostic exact n'a pas été établi. Le traitement fourni a légèrement soulagé les symptômes. Le patient est sorti avec une dynamique d'amélioration pour une observation plus approfondie par le médecin de famille. Ok. Anamnèse, c'est pas en rapport... Origine historique, ok. Call John tomorrow. Merci pour le gift sur TikTok. Il y quoi? Ok, bat, se battre jusqu'à la mort. Ok, la petite brosse. Oh, elle est pourrie la maison, j'ai l'impression d'être dans Silent Hill. On a un objectif ou pas? Non. Ok. Ah! Faut encore plus flipper la salle de bain comme ça. Ça y est, la fenêtre est ouverte? Mon dieu! Mon dieu, vous avez dit, hein, il a l'air flippé celui-là, il y a du jumpscare, il y a du gore. Oh la vache, en fait ils m'ont eu parce que je voulais appuyer sur l'interrupteur. Le jeu il donne envie d'appuyer sur l'interrupteur, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'avance pour aller vers l'interrupteur. En vrai, ce jumpscare là, je trouve il est incroyable qualitativement parce que je m'y attendais pas. Et non seulement s'y attend pas, mais en plus, ils sont malins parce qu'ils l'ont mis au moment où ils savaient qu'on allait se rapprocher de l'interrupteur. Fusible électrique. Donc c'est bien une bonne femme en mode The Ring. Hein. La buanderie, on n'a pas fait depuis qu'on est passé en mode de l'enfer. Là. Faudrait moins que je crie parce qu'on m'a dit sur YouTube aujourd'hui que je faisais du cinéma quand je criais. Mais après, il y a tout le temps des gens qui un peu aigris qui font des commentaires comme ça. Ça a fait sourire parce que s'il me connaissait, il aurait plus d'oreilles déjà. Mais du coup, bah ouais, je sais que mes cris vous font sursauter aussi, les amis. En même temps, je mets le son à fond. Forcément, je suis à fond dedans. Donc, je suis obligé de crier, hein. En plus, ça m'arrive hein, plein de fois de pas crier. Hein. Quand il y a jumpscare, je crie pas quoi. Mais là, quand je crie, si je le contrôle pas, je crie quoi.
Merci. Oh, merci Mélie pour le signe sur TikTok. Merci beaucoup. On est rang 93 gaming grâce à vous sur TikTok France. Merci à vous. Ok, là il y a toujours la clé, on l'a pas. Qu'est-ce qu'on a? On a le fusible. Le fusible, je pense que c'est au sous-sol, mais le sous-sol, il y avait des planches. Coucou les arrivants. Après, c'est pas grave, on a des commentaires, de toute façon, on en a toujours, c'est pas très grave. Mais c'est juste, ça me fait rire ce que vous me dites, c'est à cause des cris. Mais... Non, je sais bien, puis alors, je vais sûrement pas m'arrêter parce que quelqu'un me dit que je crie trop, vous inquiétez pas. Je pourrais pas de toute façon, donc... elle s'est fait exploser la tête, hein, quand même. Hein. C'est non seulement il a pris le... Vous savez, vous criez avec moi. Non seulement il a pris le cerveau, mais regardez, il a raclé tout le fond avec la petite cuillère, quoi. Regardez, c'est vide à l'intérieur du crâne, quoi. On a un fusible, je sais pas quoi en faire. Il y avait une télé, il y avait quelque chose qui marchait pas. Le téléphone, peut-être. Dehors. On n'a pas checké dehors, vous avez raison. Déjà, là, ça, c'était la porte d'entrée. Attendez, la porte d'entrée principale, elle est où? On va quand même vérifier la porte d'entrée principale par où on est arrivé. J'en retrouve plus. Mais attendez, elle était là. Je crois qu'elle était là. C'est ça, non? Regardez, il y a le tapis d'entrée. Je crois que c'était la porte d'entrée, elle était là. Elle a disparu. Non? Ou je perds la tête? Elle a disparu, on est d'accord. Hein. Ok, on va aller vérifier l'arrière-cour. S'il n'y a pas quelque chose à faire. Coucou les arrivants. On a vu la cuisine déjà, on va regarder l'arrière-cour. On a un fusible, on sait pas quoi en faire encore pour l'instant. Logiquement, ce serait le sous-sol, mais il y a des planches, donc... Merci Anaïs pour le sub sur TikTok. Bienvenue dans la team BTG. Merci à toi pour ton sub. Tu gagnes le badge BTG, les emotes fantômes et les commandes vocales. Bienvenue parmi nous. Ok, là on peut pas, il y a un code. Pour l'instant on peut rien en faire, ça sert à rien. Ok. Et merci pour les follow les amis TikTok. Si vous aimez les live horreurs, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de follow si jamais ça coupe. On est là du dimanche soir au jeudi soir. Et ça a changé! Elle était énorme, la statue de tout à l'heure, elle était énorme, on est d'accord. La statue de tout à l'heure, elle était énorme, vous avez vu comme elle est petite? Ah, il y avait un compteur sur le Porsche Matrix, on va y aller, c'est pas grave. On a le temps, hein, le jeu, quand on rush, il se finit en une heure. Bon, vous savez que moi, je prends mon temps. Je prends le temps de le faire avec vous. Donc, mais on a le temps, normalement. Merci à M54 de Dourseur pour le renouvellement du sub aussi. Merci à vous, les amis, pour votre soutien. Ok, donc il y avait un compteur à l'intérieur. On va y voir ça. Ouais, alors après les trois lettres, il y en a dans tous les pentagrammes, donc ça va être un peu chaud. On va voir, ils sont peut-être que le code est mis un peu plus en valeur. Mais effectivement, le fusible. Ah non, c'est pas un compteur ça. Il y a vraiment un compteur, les amis, vous êtes sûr d'avoir vu? Pas que je doute de vous, vous me connaissez, je doute jamais de vous, bien entendu. Il est à l'extérieur, le compteur? Salut Goku, ça va? Coucou les arrivants. Et merci Picon également. Merci beaucoup, bienvenue dans la team BTG, Picon. Merci pour ton sub, tu gagnes le badge BTG, les commandes vocales et les emotes petits fantômes. Merci beaucoup pour vos follow. C'était dehors? Ok, c'est bien. Je vous ai tendu un piège, vous n'êtes pas tombé dedans. Merci Greg pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Il y a un peu des lags. Ouais, je pense, je vais voir si je peux diminuer un petit peu. Merci Charlène pour le follow sur Twitch également. Bienvenue à la commu. Je vais voir si je peux légèrement... Non mais, ils nous ont vendu ça comme un super manoir. On est venu, c'est la maison de l'enfer. On est d'accord. Je peux réduire un tout petit peu. Enfin, le problème, c'est que la résolution, ça me fait chier de la toucher, les amis. On va enlever les ombres portées qui peuvent être... Tout ce qui peut être gourmand, qui sert, je pense, n'est pas forcément...
Merci Kevin. Ah, ça va mieux, hein, tout de suite. Ça va largement mieux. Merci Kevin pour le manifesting. Merci beaucoup. Salut Indienne, coucou les arrivants. Salut Canel. Vaut mieux que j'enlève quelques petites ombres et je creuse comme ça parce que la résolution, on verra plus flou et c'est un peu dommage. Effectivement, c'est là. Bien vu. Bien vu. Imaginez à quelqu'un qui se plaque la tête. Du coup, pour l'instant, c'est qu'il y a une bonne femme un peu en robe de chambre avec les cheveux longs qui nous fait des jumpscares, on sait pas qui c'est. Est-ce que c'est notre mère? T'as raison, Jenny. Grosse pensée à Solouve de l'hôpital. Merci à toi, Solouve. Je sais que tu regardes les replays. Des gros bisous à toi. Ok. On va voir si ça a permis de remettre du courant à l'intérieur. Dans le potager, on a regardé, il est fermé pour l'instant. Le potager est fermé. Après, il y avait déjà un peu de lumière. Hein. Tu m'as fait peur, Kevin. Vous pensez que c'était dehors qu'on a loupé quelque chose? J'ai envie de rentrer dans cette maison parce que c'est la maison de l'enfer. Ça me plaît bien, mais... Je peux pas appuyer sur les interrupteurs. Il y avait peut-être un levier, il y avait peut-être un levier dehors, hein. Je suis peut-être parti trop tôt. Soit ça, soit il y avait un PC à l'étage qui était éteint, peut-être qu'il est allumé maintenant. Ah ! Les arrivants. J'ai pas vu si le corps avait disparu. J'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il y a rien d'autre à faire ici. On va bouger, il y a rien d'autre à faire dans cette pièce. Qui a couru vers la porte. C'est là-bas, la porte elle est entrouverte. Reste ici, on se met sous le lit, on attend le lendemain matin. Madame, vous allez bien? Je pense que c'est la madame qui nous a fait sursauter déjà. Elle va pas bien, elle va vraiment pas bien. Elle pète un câble à chaque fois. Elle a, en fait, elle a un truc autour d'elle, une sorte d'ombre d'aura. Oh putain. C'est quoi ça, la photo du jardinier? Hein? Mais attendez, elle fait flipper la photo, c'est moi ou il a les yeux revolver? Non, il a les yeux, ils sont comme ça, non? Coucou les arrivants. C'est moi? Où il a les yeux de l'enfer, les yeux en mode comme ça. Non? Les voisins ont entendu, Sylvain. Je peux pas zoomer. Ouais, il y a un problème avec les yeux. Hein. Il s'est passé un truc. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les parents dans cette maison? Merci pour les follow sur TikTok. Oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur. On est du dimanche au jeudi. Je dis ça parce que ça peut arriver que ça coupe sur TikTok. Donc si vous voulez pas perdre la chaîne... Alors là, on peut pas y passer. Ah!
Madame, il y a... Je sais pas quoi vous dire. Vous me faites peur. Est-ce que ça va? Vous voulez un verre d'eau? Rien, rien. Je crois qu'on va la laisser tranquille. Vous savez quoi? On va la laisser tranquille, ok? Je vais mourir. J'ai la chair de poule de partout. Elle est là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, le craquement des articulations, c'est dégueulasse. Par contre, je crois qu'elle s'est transformée en Super Saiyan. Elle est... Je crois qu'on l'a énervée. On a réveillé un truc en venant ici. Merci FB pour la vague de subs sur TikTok. Merci à toi FB. N'oubliez pas de remercier les gens qui vous savent gift. Merci Laure pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commune. Coucou les arrivants. Je crois qu'on a libéré quelque chose. À mon avis, les parents ont fait exprès de nous dire de venir ici. Je sais pas quel rituel ils veulent faire, mais... Oh, j'ai la chair de poule, les amis, je vous jure, j'ai les poils qui sont hérissés. Merci beaucoup, Dani, pour le subgift. Sur TikTok. Je sais pas si je peux retourner là-bas, j'ai l'impression qu'il faut venir là. Putain, elle est encore là. Merci beaucoup les amis TikTok pour les vagues de subs. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pas loupé de notif. On revient vers elle, le problème c'est... Ah ! Ok, c'est bon, elle a dégagé. Et ça va peut-être être l'énigme pour ça, regardez, je pense que... Il y a l'air d'avoir un cadre. Regardez, il y a un cadre de 4 sur 4. Ah non, là c'est 3 sur 3, donc rien à voir. Ça y est, mon kill, ça roule. Merde, ça a rien à voir. Oh mon dieu. Oh putain, c'est Tetris. Oh, attendez, j'y vais au talent. Ah, j'ai compris, je crois, comment ça marche. Ah non, j'ai pas compris. Oh, oh mon dieu, je vais jamais y réussir. Vous pensez que... C'est en mode au hasard ou il y a une solution? Oh, ah, là, je suis pas loin, je crois. Je sens que je tiens un truc. Ou pas. Oh! Attendez, c'est bizarre, ça refait pas le même truc à chaque fois. C'est quoi ce bordel? Oh putain! Oh putain! La légende des lunettes à l'envers. La légende. La légende des lunettes à l'envers. Elle fonctionne toujours. En général, il n'y a aucune énigme qui me résiste. Dans les 5 minutes qui suivent la fois où je mets, remets mon cerveau à l'endroit... Les lunettes à l'envers, c'est parce que j'ai le cerveau à l'envers et du coup ça me le remet à l'endroit et ben je réussis les énigmes, vous avez vu ça? Ok, le petit tour s'y va en bas du coup. Regardez, on dirait pas Slenderman. On sent qu'il y a la... Il y a le portrait de quelqu'un qui a la tête toute blanche. Et j'ai pas trop envie qu'on croise lui. C'était là, hein. Ok,
4-6-7-2. Ok, il va y avoir un truc avec les portraits à faire après. On va déjà mettre ça. Doucement, les amis, pour rappel, les TTS, laissez-les un petit peu à tout le monde, spammez pas une seule personne dessus, sur TikTok, parce que c'est partagé envers tout le monde. Et je vois les messages, vous inquiétez pas. Créer de verrouillage avec le code. Ça peut-être aller ici, du coup. Hein. Ouais, merci d'avoir retenu. Alors, est-ce que c'est le code d'ici? Ça me paraît un peu trop facile, mais... Merde. 46-72. Les numéros sont déverrouillés, besoin d'entrer le code. C'est pas ça. Thank you. Merci Danny, une fois de plus, pour le sub gift. Merci beaucoup à toi. Cool les arrivants. Alors, je pense pas qu'il faut regarder au détail, vous voyez les petits symboles comme ça. À mon avis, les tableaux, c'est autre chose. À mon avis, il y a des tableaux qui vont de 1 à 8, un truc du genre. On va voir si les autres tableaux de la maison, ils ont aussi ça, ok? Ou alors, il faut prendre en fonction de leur ordre de naissance ou l'ordre de mort. On va juste checker si les autres tableaux, il y a aussi des chiffres ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ceux-là. Non, il est bien ici encore. Hein. La femme qui s'est fait bouffer, elle est encore là. Ok, on va regarder les dates. Moi, je regarderai plutôt les dates de mort, ok? On fait les dates de mort ou dates de naissance? Moi, je prendrai les dates de mort. Donc, c'est-à-dire que 1912... Le problème, c'est qu'ils sont... Ah non, ils sont pas dans l'ordre. Ah non, attendez, il y a 1850. Donc, 1850, c'est le 7. 1850, c'est celui qui est mort en premier. Donc lui, c'est 7. Ensuite, il y a 1912. Donc c'est 4. Ça fait 7, 4. Ensuite, il y a 1951, ça fait 2. Donc ça fait 7, 4, 2. Et le plus récent, c'est lui, 1970, 6. Ça fait 7, 4, 2, 6. Vous êtes d'accord? 7, 4, 2, 6. Ouais, on va voir, on va tenter plusieurs trucs, de toute façon. Ok, on peut faire les dates de naissance, les naissances, et après on peut faire l'âge. Après, je regarde si c'est pas le même ordre pour les dates de naissance. Je pense que c'est pareil, mais je suis pas sûr. Laissez-moi vérifier. Ok, les dates de naissance, ça donne le même ordre. Donc, on va faire l'âge. On va faire l'âge, ok? Meilleure qualité ici? Ouais, je sais qu'il y a des problèmes de lag en ce moment sur TikTok, mais... Alors, attendez, celui qui est en haut, il avait 80 ans. Celui d'en haut, il avait 80 ans. On est d'accord? On va faire dans l'âge. Ça me paraît un peu compliqué, mais c'est peut-être un peu ça. Hein. Je sais pas s'il serait cassé la tête à faire des soustractions. Donc celui-là, 80 ans. Vous êtes OK? Pour le premier? Lui, il avait 80 ans. Lui, il avait 30 ans. Il est mort à 30 ans. Attendez les amis, on va faire théorie par théorie, une à la fois, ok? Ça vous dit? Après on regardera les autres théories. Quand on en commence une, on la fait au bout, sinon on va se perdre. Là on a fait sur la mort, ça marchait pas. Là on va calculer leur âge, ok? Et après on en fera d'autres. J'ai fait une par une, vous inquiétez pas. Donc lui il a 80 ans. Lui il avait 30 ans quand il est mort. Lui 65 ans. Ok? 65 ans. Une théorie à la fois, les amis, on va faire. Vous inquiétez pas, on va tous les faire, on a le temps. On en termine une. Et là... attendez, j'ai dit combien, lui? 65, parce que sinon, je sais plus où j'en suis. 65, 80, lui, 30 ans, c'est ça? Lui, 85 ans? Non. Non. 67 ans, non? Lui, il avait 67 ans, le dernier, ou 75, non? Oui, ou 75 ou 76 ans. Non, 75 ans. 75 ans. Donc, le plus jeune, c'est lui. Donc, ce serait 6, si on prendrait du plus jeune.
Parce que le code, ouais, c'est peut-être pour dehors, hein. Ça me paraît hardcore quand même, hein, comme truc, comme énigme, mais bon. Après, dans Madison, faut bien faire des soustractions. Donc, ce serait le 6. Ça fait 6, 7, 2, 4. Ok, 6, 7, 2, 4. C'est ça. Au top. Ok. On a bien fait de faire une théorie à la fois, sinon après on part dans tous les sens, je nous connais. Merci Nightblue pour le follow sur Twitch, bienvenue à la commu, coucou les arrivants. Ok, ça a l'air un peu calme. Oh, on a la clé du sous-sol. Par contre, le sous-sol, je crois qu'il y a toujours les planches devant, donc on peut toujours pas y aller. Coucou les arrivants. GG à vous aussi. Le médecin a dit que le traitement ne fonctionne pas. Lily empire chaque jour. Ah putain, c'était nous Lily, vous pensez? Parce qu'ils ont une fille qu'ils ont abandonnée. Merci Hunter Alpha pour Flo, bienvenue à Commu. Lily empire chaque jour, je ne sais plus ce qui nous aidera. Nous avons essayé toutes les options de la médecine traditionnelle, mais cela n'a rien donné. Parce que pourquoi ils nous auraient abandonnés s'ils ont eu un autre enfant qu'ils n'ont pas abandonné, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour rappel, on retourne dans le manoir de nos parents qui nous ont abandonnés à la naissance et on découvre qu'ils avaient une fille. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est une sœur? Aujourd'hui, notre colocataire, Mademoiselle Dawson, a apporté de la potion aux herbes et l'a donnée à Lily. Celle-ci s'est immédiatement remise. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça marche vraiment. Elle devait être possédée, non? Miss Dawson est arrivée dans notre ville il y a environ 6 mois. On se connaît mal, mais elle habite à côté. Après avoir appris notre chagrin, elle a dit qu'elle pourrait nous aider. Aujourd'hui, Lily est encore pire. Les potions à base de plantes n'aident plus. Mademoiselle Dawson a dit qu'il y a quelque chose qui peut certainement nous aider et apporter une idole en bois. Elle a dit que cette ancienne divinité est relique de sa famille. C'est une relique de sa famille qui est nécessaire d'effectuer un rite de purification de la maladie. Mon Dieu, je suis si fatigué. Je ne me soucie plus de quoi faire. Je suis prêt à croire n'importe quoi pour que Lily se sente mieux. C'est pas là le truc qu'on a vu dehors? Je crois que c'est le truc qu'il y avait dehors, vous vous souvenez, la petite statue? Aujourd'hui, Mademoiselle Dawson a effectué le rite de purification. Puis elle nous a remis l'idole en bois et nous a dit de la garder en sécurité. Alors non, elle en bois, c'est pas celle-là. Que pourrait-il arriver à ce morceau de bois? Cela n'aidera probablement pas. Notre famille est entre les mains de Dieu désormais. Amanda et moi, nous prions tous les jours. Lily s'est affaiblie après le rituel et a dormi toute la journée. Je peux pas le croire. Lily va mieux à vue d'œil. La douleur a disparu et l'appétit est apparu. Elle n'a jamais mangé aussi avidement les petits pains qu'Amanda fait cuire. C'est une sorte de miracle. Même la couleur de sa peau est devenue saine. Si ce rituel de purification a vraiment aidé, nous sommes redevables à Mademoiselle Dawson. Alors, je sais pas vous, mais Mademoiselle Dawson, je la sens pas. Il est peu probable que je tienne ce journal. Lily est en parfaite santé. Tous les tests sont normaux, mais les médecins sont surpris. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, car la maladie de Lily est incurable, mais l'enfant est en très bonne santé. Nous ne pouvons parler à personne du rite. Mademoiselle Dawson nous a prévenu que tout doit rester secret. Et qui nous croira alors? Les médecins sont des gens de science, pas de superstition. Il se passe quelque chose d'étrange avec Lily ces derniers temps. Oh mon Dieu, regardez. À mon avis, elle a fait un pacte. En fait, elle a fait un rituel. À mon avis, elle a fait un pacte avec le diable pour guérir leur fille. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'elle leur a fait faire un rituel qui fait vendre l'âme de leur fille en échange de la santé. Un truc du genre. Alors, insu, je pense qu'elle leur a pas dit. Donc, Lily est étrange ces derniers temps. Elle est devenue très agressive. Aujourd'hui, ma fille a tué notre chat. J'ai remarqué qu'après ce rituel, c'était comme si elle avait été changée. Même son regard a changé. Merci beaucoup Inès sur TikTok pour le réveil du sub. Merci à toi. Parfois, j'ai peur de la regarder dans les yeux. Mais en même temps, c'est les yeux là, tu m'étonnes. Parfois, j'ai peur de la regarder dans les yeux comme si ce n'était pas Lily qui me regardait, mais quelque chose d'horrible. Un mal qui se cache dans le corps de ma fille. J'ai un rendez-vous secret avec le père Crawford à l'église aujourd'hui. Je lui ai dit tout ce qui nous arrive, même que Lily avait tué un homme. What the fuck? Elle avait rongé la gorge de Miss Jen qui nous aide dans la maison. Elle a tué la femme de ménage en lui bouffant la gorge. Puis a enduit son sang sur tous les murs de la chambre. Vous pensez que c'est Lily qui a mangé? Vous avez vu le cadavre? Il y avait un cadavre en bas, la cuisine qui était ouverte. Je me demande, c'est pas Lily qui l'a mangé du coup. Le père Crawford a promis de ne pas informer la police et de venir nous voir ce soir. Il soupçonne que le rituel de guérison de Lily était en fait un rituel pour amener un démon dans le corps de Lilith. Le père Crawford a dit qu'il pourrait nous aider et ensuite a dit qu'on devait tout dire au shérif.
Seigneur, aidez-nous s'il vous plaît. Les craintes sont confirmées. Dans le corps de Lily vit un mal terrible. Le père Crawford ne sait pas encore quel genre de démon Lily a à l'intérieur de elle. Bah on l'a vu, c'est pour ça qu'elle s'est transformée en démon. Et pour l'exorciser, il nous faut connaître le nom de ce démon. Je vais devoir parler sérieusement à Mademoiselle Dawson après avoir guéri ma fille. Elle nous a envoyé une terrible malédiction. Aujourd'hui, Amanda amènera David dans un refuge en Caroline du Nord et le laissera pour un certain temps. Il est maintenant en danger à côté de sa sœur. Nous le récupérerons après le rituel d'exorcisme. J'espère que ça sera pas long. Ah donc c'est nous, on est le frère ? C'est peut-être parce que notre sœur était possédée qu'ils nous ont mis en orphelinat. C'est donc ce qui s'est passé. Ma famille ne m'a pas quitté, ils m'ont caché parce que c'était dangereux ici. Donc en fait, ils nous ont caché quand on était petit parce que notre sœur était possédée. Et maintenant qu'on hérite du manoir, je pense qu'on hérite de la petite sœur. Elle est en pleine forme depuis toutes ces années. Elle a bouffé beaucoup de personnes. Et ben c'est sympa. Sœurette, je suis rentré. Coucou les arrivants, salut Dada, salut tout le monde. Sœurette, c'est moi. On fait partie de la même famille. Je viens en paix. T'as fini ton casse-croûte ? En même temps, c'est les Carlitos, ça va. On aurait pu lui amener à manger, hein. Elle a peut-être un petit croc, regardez, il reste quasiment plus rien. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Cette clé, c'est la clé de quoi? La clé du sous-sol. La clé du sous-sol, je crois que le sous-sol, il y a des planches en bois. Et merci pour les follow TikTok. Pareil, je me permets de rappeler, n'oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur. On fait ça du dimanche au jeudi. Parce que des fois, TikTok coupe. Du coup, si vous voulez pas perdre la chaîne, n'hésitez pas. Ok, donc là, on peut pas. On va aller faire un tour dehors, ok? Parce que je me dis que s'il y a un pied de bûche à récupérer, il est peut-être plus dehors. Coup de chalumeau et hop, à lui l'héritage. On va voir si on peut interagir avec le cadenas de la verrière. Salut les arrivants. Attendez, je regarde s'il y a un pied de biche. Un pied de bûche, pardon. J'ai pas l'impression qu'il y a un pied de bûche par là. Coucou les arrivants. Merci Kekra pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Non, on peut pas. Il y avait peut-être... Bah non, parce que c'est la clé du sous-sol, donc elle ouvrira rien d'autre. Ok, faut qu'on refouille à l'intérieur. Ah, c'est vrai qu'il y a la trappe. J'étais parti du principe que la clé où il y avait les planches était sous-sol, mais il y a ça aussi. Après ça, on n'avait pas de bouton pour interagir, on peut pas encore. Je suis pas sûr qu'on pourra y aller finalement. Derrière la photo, alors vous êtes beaucoup à m'avoir parlé de derrière une photo tout à l'heure, j'ai peut-être loupé, on va aller voir. Coucou Alia, coucou les arrivants. Sur la photo, ouais, vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il y avait quelque chose derrière la photo, on va aller la voir. Mais en fait, elle avait disparu après. On va remonter à l'étage, voir ça. Bah, la statue a changé, elle est un peu bizarre, ouais. Attendez, on va faire toutes les pièces. Cole, John. Ça y était tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a rien changé, qu'il y a changé dans cette chambre. Ok. C'était pas là. Bien tenté, les jumpscares. Je l'ai ramassé? Ah oui, bien vu. Barney Edward Adams. Donc on va tester BEA. Donc il y a quand même un délire. Alors, ils avaient quand même une petite fille qui était possédée à cause de la voisine qui a fait un rituel. Et il y a une histoire avec le jardinier. Le jardinier, c'est bizarre quand même ce qui se passe avec le jardinier. On a dit quoi? J'ai oublié déjà. BEA. Merci. J'ai oublié. Bien vu.
Ça fait un moment qu'on l'a pas vu en plus. Oh. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il prend pas le sécateur pour se défendre? Bon après. Oh my god. Ouais, chez Marinette, mais je peux pas faire grand-chose malheureusement. Doutez bien que je m'en aperçois. C'est la merde, hein. Tu veux un effet ralgan pour la tête? Oh, elle s'est explosée la tête. Elle s'est explosée la tête. Regardez le sang. Elle s'est explosée la tête contre le mur. Je disais, c'est bizarre. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Ok, on a la hache. Je pense qu'on va pouvoir péter les planches. Et à mon avis, on va pouvoir aller dans le sous-sol là maintenant. Elle faisait peut-être du morse avec sa tête, il y avait peut-être un message à comprendre. Coucou les arrivants. Et du coup les amis TikTok, je vous en parlais tout à l'heure, n'hésitez pas à checker de temps en temps, quand vous cliquez sur partager normalement, certaines personnes d'entre vous vont avoir des points de chaîne. C'est une nouveauté sur TikTok, ça s'appelle des diamants ou des game points, et ensuite vous pouvez voter pour quelqu'un. Donc n'hésitez pas. Et normalement, ça apparaît tout seul. Quand vous mettez partager, il y a une option qui doit apparaître. Je me rappelle plus du nom exact. Elle va me tuer, Lina. J'ai oublié le nom encore. Mais n'hésitez pas à me tenir au courant si vous les avez et si ça fonctionne. Parce que c'est une nouveauté qui est sortie il y a pas longtemps. Et tout le monde ne l'a pas. Mais pas mal de personnes l'ont. Ça m'intéresse de savoir si vous l'avez. Merci Faradaus. Donc il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres non. Merci aux gens qui ont voté. Je crois que c'est... En fait, faut comment dire... Une dame ou ça. Je crois qu'il faut défiler sur TikTok dans les options. Je crois que c'est vers la fin. Bon, bah, let's go sous-sol. Bah, s'il y a des planches, c'est peut-être qu'elle était enfermée là, Joujou. Je pense qu'elle était enfermée là, et à mon avis, c'est des... comment dire... C'est une projection d'elle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Je pense. Hein. Ça me paraît très logique. Je vois pas pourquoi ils auraient condamné le sous-sol sinon. Attendez, il y avait un énorme four, ils l'ont foutu dans le four. Mami. Mami. Non, ça c'est une connerie, c'est vous ça. Pourquoi je vois pas dans le chat, c'est pas vous, c'était dans le jeu? Ah, c'est dans le jeu. Non, non, c'est dans le jeu. Je crois que c'était une connerie, mais c'est dans le jeu. Ils vont pas essayer de nous balancer dedans? Coucou les arrivants. Oula, j'avais un lag sur Twitch. Je voyais plus le chat. C'est Carlito? Ok, je le vois. Je le vois maintenant. En fait, ça, le chat Twitch était arrêté et ça s'est débugué d'un coup. Mon PC va exploser, je vous jure. Pour rappel, il n'y a pas de souci à utiliser les sons. La seule chose que je demande pour les sons, parce qu'on en a eu pas mal ces derniers temps, c'est pas d'utiliser de musique, parce que moi je me fais strike sur YouTube après avec les vidéos, quand vous utilisez des musiques qui sont connues. Donc pour les sons, il n'y a pas de souci. Juste, je vous demande de pas utiliser des chansons, en fait. Il y a eu un gros lag et là c'est mieux. Ouais, vous l'avez vu aussi. Merci Meliestrella pour le Money Gun, merci beaucoup. Et merci à Luca pour le follow sur Twitch. Ok, il n'y avait rien de spécial. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'étage? Il n'y a rien de spécial à faire dans le four. Hein. J'y retourne, mais je peux rien faire. Hein. Les caisses, il n'y a rien. Ah si, il y a quelque chose, pardon! Mais elle est complètement tarée, elle les découpe en morceaux, elle les fout dans des caisses, elle se fait des provisions. Merci Chikat pour le show sur Twitch, même la commu. Merci les amis pour le rang sur TikTok. Vous gérez, merci à vous. Elle s'est fait des réserves de bouffe pour l'hiver, j'y crois pas.
coup les arrivants. Ah, il y a un passage là. Putain, j'allais dire, il y a le sous-sol du sous-sol, c'est encore pire. Qu'est-ce qui est pire que le sous-sol? Qu'est-ce qui peut être pire qu'un sous-sol dans un jeu d'horreur? C'est le sous-sol du sous-sol. Merci Olivier et Ishida pour vos follow. Bienvenue à la commu. Ah merde, on peut pas... Ah si, on peut y aller. Elle est partie là-bas. Elle a rampé. Toujours plus. Toujours plus de sous-sol. Oh, je sens tellement pas ce passage. Je pense qu'elle a accroché les gens ici pour les tuer, à mon avis. Coucou les arrivants. Ça ressemble à une sorte d'abattoir, vous voyez ce que je veux dire? Merci pour les beats, Pierre, sur Twitch. Merci à toi, merci Storm pour follow. Ouais, je pense que c'est des pièces de torture. Bah, je sais pas si elle prend du plaisir à les torturer. Après, c'est un démon. Hein. Kevin Wagner. Ok. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est elle qui est en train de bouffer quelqu'un. Soit il y a Philippe Echtebest qui est dans le jeu pour essayer de noter la cuisine. A votre avis, c'est quoi? C'est elle ou c'est Philippe Echtebest? Petit doute. Petit doute. Ça me ferait assez rire s'il y avait Philippe Echtebest avec sa serviette autour du cou, mais à mon avis, à mon avis, c'est pas lui. Hein. Elle mange, c'est sûr. C'est Philippe? Sacré Philippe. Putain, elle fait un bruit dégueulasse en plus. Par contre, ça doit être bon, hein, parce que vu que le bruit qu'elle fait... Oh, attendez, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre? C'est quelqu'un d'autre, non? C'est pas elle. Et bon appétit, bien sûr. C'est pas elle, hein. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Il y en a plusieurs, du coup? Ah putain, mais il est retenu en otage. Mais attendez, c'est quoi cet enfer? Mais les parents étaient pas dans le coup? Oh merde, vous savez ce qui s'est passé, je pense? Je crois que j'ai une idée. Je crois que les parents, pour nourrir leur fille, ils capturaient des gens. Je pense que leur fille était possédée. Peut-être que je me trompe, hein. Alors spoilez pas si vous connaissez l'histoire, c'est juste des théories, hein. Je me parle à moi-même. Les parents ont appris que leur fille était possédée. On est d'accord que, en tant que parent, même si votre fille elle est possédée, vous voulez pas la tuer. Bon, imaginez, elle crève de faim, elle veut manger que des humains. Et bien peut-être que les parents, ils ont aménagé le sous-sol de leur maison en garde-manger et qu'ils enfermaient des gens pour donner à bouffer à leur fille. Je serais pas étonné. Non, je peux pas avec le cadenas. Le musée des horreurs. Si quelqu'un trouve ma lettre, fuyez cette maison. Merci pour le conseil. Ou vous serez déchiré par le terrible mal qui habite ma fille. Nous avons essayé le rituel d'exorcisme sur ce démon, mais il a découvert notre plan et a tué tout le monde sauf moi. Le démon m'a gardé en vie parce qu'il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Je ne peux pas échapper à cette maison. Ce mal est entré dans mon esprit. Mes pensées sont hors de mon contrôle. La seule issue est de mettre fin à ma vie dans ces moments lumineux quand mon esprit me revient. Ah putain, c'est elle, elle s'est sacrifiée? Lui? L'enfer. Vous voulez quel morceau au barbecue? Le torse, la cuisse? Moi je me ferais bien un petit bras. Bien saignant. Oh mon dieu, il y a la tête. ok, alors attendez, je crois qu'il y a une énigme en face. Avant d'aller voir ce mur de l'enfer, avec les ossements, on va voir si là on peut, ça s'ouvre ou pas. La jambe gauche? Oh mon dieu, non mais toujours plus. Il y a une table d'écartèlement, je crois que c'est une table d'écartèlement. Salut Clément, ça va? Merci pour ton follow, bienvenue à Commu. Santé, Mallory.
La clé de la porte dans la cour arrière. Ah putain, la fameuse grosse porte qu'il y avait dehors. Non mais c'est ça, regardez. C'était une cannibale, regardez, elle faisait des ragoûts. Et des steaks de foie d'humain. Elle avait aménagé, ils ont aménagé une cuisine pour leur fille démoniaque. Ils ont aménagé une cuisine digne d'un resto au sous-sol. Pour qu'elle puisse faire sa petite popote. Pour qu'elle... En fait, c'est pour qu'elle puisse jouer à la dinette, vous comprenez? À cet âge-là, c'est normal, ils aiment bien jouer à la dinette. Un pancréas? Ok. Attendez, il y a une autre porte ici. Oh my god. Maintenant, c'est les doggy bags. Elle a tué, mais elle a tué combien de personnes? On est facile à une douzaine de personnes, là. Facile. Et ça, est-ce que je peux en faire? Château en forme de pyramide. Je pense qu'il nous manque quelque chose pour interagir. À mon avis, il y a un bloc. Il y a la triforce à mettre dedans. Ok, de toute façon, n'oubliez pas, on a la clé pour dehors. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un... faut qu'on aille faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil dehors. Merci Julie pour l'enrôlement du sub sur TikTok. Comment ça va? Ou qu'aux arrivants. Entre 20 et 30, Noémie? Je sais pas, hein, environ 8000, Stéphie. Salut Sandra, coucou les arrivants. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Y'a rien qui vous choque? Il s'est enfui. La porte, elle s'est ouverte. Regardez, il y a son repas. Il est là. Il est plus là. Il est plus là. Il s'est échappé. Putain, déjà qu'on avait elle. Parce que là, il nous a jumpscare tout à l'heure ici. Ah ! Putain, j'en étais sûr. On va aller voir dehors. Ok, on a la clé pour dehors. Coucou les arrivants. Merci pour vos follow sur TikTok. Pensez bien à follow si vous aimez l'horreur. On en fait du tous les soirs, du dimanche au jeudi. Bienvenue parmi nous. Et merci à Loukoum. Clément pour les follow sur Twitch, bienvenue à la commu. Bon, c'était l'enfer. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est la grosse porte qu'il y a dehors depuis le début. On va enfin voir ce que c'est. Ça rame un peu quand on est dehors, hein, mais malheureusement, je peux pas faire grand chose. Salut Jean-Jean, coucou les arrivants. Je me demande s'il n'y a pas un vrai manoir, mais je pense pas quand même. The fuck, il y a une autre maison. Ah putain, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Elle a pas encore mangé son dessert. Non, je pense pas que c'est la maison du gardien, Némésis. Je pense que c'est la maison de la voisine. Je pense que c'est la... Vous savez, la femme qui leur a jeté la malédiction pour sauver la fille. À mon avis, elle est là, l'espèce de sorcière. Je pense que c'est la voisine. La maison de la vieille, c'est ça. Ou alors le jardinier, c'est possible, hein. Mais je pense que c'est la maison de la voisine, je sais plus comment elle s'appelait. Dawson, c'est ça. Madame Dawson. On va vite voir quel genre de personne c'était en voyant sa maison. Oh, en vrai, sa maison, elle est trop bien, on dirait un petit chalet. Ok, planche de Ouija, bon, ça veut rien dire, mais par contre... effectivement, elle aimait bien les sciences occultes.
apparemment, Madame Dawson. Oh merde! En 2003, nous sommes allés avec le père de Lily chez Miss Dawson. Et c'était une grosse erreur. Elle nous accomplissait tous ses rituels dans le monde astral. Ayant franchi le seuil de cette maison, nous nous sommes retrouvés dans une réalité différente. Et maintenant, nous sommes prisonniers de cette maison. J'ai réussi à découvrir que chaque démon a son propre refuge dans l'autre monde. Si nous trouvons la maison de ce démon, alors nous pouvons trouver l'âme de Lily. Pour interrompre le rituel, nous devons voler un livre occulte et un couteau rituel à la sorcière. Faut qu'on retienne, faut qu'on vole ces deux trucs. Avec lesquels elle a donné naissance à ce mal. Et détruisez le manuscrit en le perçant avec un couteau. En plein dans les couloirs du démon où l'âme de Lily est cachée. Que le Seigneur nous aide. David, que cette note date-t-elle de 2003 ? Cela fait donc 20 ans que mon père et le prêtre sont morts ici. Et l'esprit de ma mère était contrôlé par un démon toutes ces années jusqu'à ce qu'elle donne fin à sa vie il y a une semaine. Maintenant, je comprends pourquoi la maison de mes parents a changé quand je me suis réveillé. Je suis entré dans le monde astral. Mais pourquoi la sorcière n'a-t-elle pas terminé le rituel pendant tant d'années ? Je dois finir ce que mes parents ont commencé... Et sauver votre sœur. Ouais, alors... Bon, je sais pas. La sœur, on la connaît pas. J'ai pas trop envie de mourir, moi. Ça, ça fait vachement Layer of Fear, le portrait comme ça. Merci, Kevin, pour le corail. Au top. Merci beaucoup à toi, hein, Kevin, pour ta présence. Principalement, depuis tout ce temps. Alors... J'allais dire, qu'est-ce qu'elle bouffe, Madame Dawson ? Elle mange de l'alcool, visiblement. Y'a quelqu'un ? Si vous êtes là, faites un bruit. On peut allumer les bougies. Y'a quelqu'un ? C'est bon. Alors attendez, là on a les symboles de l'enfer. Une étrange serrure avec des symboles. Je dois trouver comment l'ouvrir. Ah, ok. Il doit y avoir ces marques là. On va les chercher dans la maison, ok. Après la cave de l'enfer, ils vont nous faire revisiter un grenier de l'enfer, c'est sûr. Fermez-moi cette porte. Fermez-moi cette porte. J'y vais pas. Il nous poursuit. Il nous poursuit, mais on l'a eu. On l'a eu il y a deux soirs, cette poupée de l'enfer, elle est encore là. On l'a eu dans un jeu il y a deux soirs, j'en peux plus. Dégagez avec votre poupée de l'enfer, là. Coucou, tu veux jouer avec moi? Merci beaucoup, Estrella, pour le cheer. Merci pour tous vos gifs sur TikTok. Au top. Ok, va falloir qu'on chope des cassettes. Pour regarder, pour en apprendre un peu plus. La croix, pour l'instant, elle est encore à l'endroit, c'est bon signe. Putain, regardez sa photo. C'est le bébé du diable, regardez sa photo. Coucou les arrivants. Clé de la grange. Elle est plus là. À votre avis, elle est encore là ou pas, la poupée, qu'on va se retourner? Dites-moi. Moi je dis elle est plus là, la poupée. À votre avis, elle est là ou pas? Coucou les arrivants. Je suis sûr que la poupée n'est pas là. Déjà le placard il est ouvert, je crois pas qu'il était ouvert. Ah putain, elle a tourné de sens. C'est encore pire. Le placard, il était pas ouvert, hein, je crois. On doit avoir un... Oh. Et
placé, Kevin, tu m'as fait peur. On avait la clé pour la pour le grenier, mais on y est déjà. Il doit y avoir un truc. Attendez, c'est bien la clé du grenier qu'on a eu. Ah non, clé de la grange, pardon. Donc c'est dehors. Ok, on a une cassette de VHS, on a le magnéto, on va pouvoir regarder, jeter un petit coup d'œil. C'est ça, j'ai laissé la porte exprès pour qu'elle nous suive. Putain, on va regarder la cassette avec la poupée à côté. On parie qu'elle va bouger encore. Il y avait un symbole sur la... Ouais, mais il y en a qu'un. À mon avis, vous savez quoi? Oh non, mais au secours, maintenant c'est la petite fille du diable avec sa scie, quoi. Merci pour les follows sur TikTok. Oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur. On en fait du dimanche au jeudi soir. Parce que comme ça, si ça coupe TikTok, au moins, vous perdez pas la chaîne. Je pense que les signes vont arriver là, dans la cassette. Je pense. Hein. Je l'ai entendu bouger déjà à côté, là. Oh, il y avait un signe! Il y avait un trident, une pioche... Une sorte de trident, une pioche. Et Oh my god, c'est ce qui nous attend? C'est ce qui nous attend? C'est ce qui nous attend? Je vous le remets, regardez à gauche, trident. Enfin, un double dent. Un trident, un double. Une pioche. Et un microscope. Il y a un microscope. Par contre, ça, ça veut dire que ça, on va... Et là, il y a... Attendez, il y a encore un signe, là. Il y a quatre signes. Il y en avait quatre. Il y a un K à la fin. C'était une sorte de K. Il y a quatre signes, c'est bon, c'est ça. Merci Bossatayan pour vos follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Merci pour les follow TikTok. Alors, donc l'espèce de trident à double dent. Donc c'est un double dent. La pioche après. Le microscope. Et après c'était ça, l'espèce de Y. Ok, au top. Merci d'avoir noté dans le chat. C'était pas là la vidéo. La cassette c'était là ou pas? Je crois que c'était là. Je crois que la cassette c'est dans l'angle là-bas où il y avait le mec, non? C'était pas ça? Je suis pas sûr. Ah putain, c'était là. Couteau, on peut rien en faire. Monsieur, on vous a vu dans la vidéo, soyez pas timide, on sait que vous êtes là. Putain, mais elle est immense cette baraque. On a fait un tour ou pas? J'arrive pas à ça. J'ai cru que c'était son bras. Ah mon dieu. On se barre. C'est quoi cette merde? Putain, mais ferme cette porte, bordel de merde! Il m'a suivi ou pas, votre avis? Putain, on est où? Mais attendez, mais c'est immense, je sais plus où je suis, il y a 15 000 portes de partout. Je sais plus où je suis, il fallait aller là-bas, il y avait un truc à ramasser, je crois, faut qu'on y retourne. Je crois qu'il y avait un truc à ramasser. Le problème, c'est qu'il y a des portes de partout, je sais pas où je suis. Allez, toujours plus maintenant, une baignoire remplie de sang, c'est ça? Et allez, une baignoire remplie de sang, génial. Elle encore. Putain, c'est encore pire que la première maison. J'arrive pas à prendre. J'arrive pas à prendre le masque. Everywhere, quel chemin prendre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il grandit. Salut Viceland, coucou les arrivants.
il devenait de plus en plus grand. Je sais pas si vous avez vu, il venait de plus en plus grand. Alors attendez, on a ça, je sais pas où on va le foutre. Et je crois qu'il y avait quelque chose à ramasser en haut. Il y a le mec qui nous a poursuivi. Hein. Faut qu'on y retourne. Hein. Jusqu'en enfer. Merci pour vos les gifts et les follow sur TikTok. Ah, dans la sorte de cadenas, vous avez raison, ouais. Attendez, je crois qu'il y avait un truc à l'étage. Je serais bien allé voir ce qu'il y a quand même. Non, c'est un démon, je pense, hein. J'ai couru comme un taré. C'était là. Je crois que c'était là. Regardez, il y a un truc à faire là. C'est quoi? Une pelle. Ok, on a bien fait de revenir, il y avait un truc à faire. On arrive là où on était avec le couteau, c'était là le cadenas, je me souviens plus. Ah putain! Putain, on l'entend qu'au dernier moment, quoi! C'était où? C'était où le cadenas? Attendez, Kin, faut qu'on aille dans les chiottes. Réunion de crise, c'est les chiottes? Non, merde, putain. Vite, réunion de crise, comme hier. Réunion de crise dans les chiottes. Allez, attendez, on fait un brainstorming dans les chiottes. Qu'est-ce qu'on fait? C'était où ce canard de l'enfer, là? En fait, on le voit au dernier moment. Au moment, en fait, on l'entend gueuler. Au moment où on se le voit dans la gueule. À l'étage, avant l'armoire? Donc c'est tout en haut, c'est ça? C'est vrai, Alison? Mais non, on va bien dormir comme des bébés après ce jeu. Juste là à gauche ou en haut? Vers où il est? Oh non, c'est en haut. Oh non. Merci Poulpi pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup à toi. S'il ouvre la porte. Je suis dans la merde, s'il ouvre la porte. Vous pensez qu'il peut ouvrir les portes, ce truc? C'est mon havre de paix, les chiottes. C'est toujours là dans les jeux d'horreur. Je me réfugie, ça marche bien. C'est toujours là où on fait un point stratégique, ce qu'on fait. Mais s'il ouvre la porte des chiottes, par contre, je suis dans la merde. En fait, faut passer dans son dos, hein, au bon moment. Il est bloqué. Il est bloqué contre un mur, ce con. Il était bloqué. Attendez, faut que j'attende qu'il vienne et qu'il reparte, je pense. C'est maintenant ou jamais? Non, il était dans les escaliers, je pouvais pas. Hein. Ah oui, c'est lui qu'on entend. Il s'est bloqué encore. Putain, mais il s'est bloqué en plus. Eh, il a disparu! Il a compris ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis ta famille. Je veux juste faire mon énigme. Et après, on te laisse tranquille. C'est là? C'est par là? Thank you. Merci, Westland, pour le subgift. Merci à toi. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Vous m'avez menti. Vous avez vu que le chat n'a pas toujours raison. Ah si, c'est là, vous avez raison. Merde, vous avez raison. Merci, des bisous, Tidou.
pense pas qu'il puisse rentrer là, ça m'étonnerait. On a toujours raison, Alex? Ouais. Je pense qu'il doit avoir quelque chose à mettre dans cette boîte. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faisait ici? J'ai l'impression que c'est ésotérique et un petit... Putain, on le voit à travers le mur, vous avez vu? On le voit un peu. Il est là. Non, il rentre pas quand même. Non, c'est bon, il rentre pas. Ils avaient dit de trouver un bouquin. Donc je pense que c'est ça, le livre occulte. Et il faut qu'on trouve l'atamé, c'est le couteau. Et je crois qu'il fallait transpercer le bouquin avec un couteau. Bah, je suis d'accord, il y a un crâne à côté, on dirait qu'on pourrait mettre dessus. Putain, j'ai l'impression qu'il va rentrer. Si je mets le bouquin, ça m'étonnerait, hein, mais... Non, pour rien faire, je pense qu'il faut ressortir. Je pense qu'il faut qu'on ressortir, faut qu'on trouve d'autres choses dans la maison à foutre ici, à mon avis. Là, je peux pas mettre le bouquin non plus. La grange, ouais, t'as raison, Dani, on a la clé de la grange. Mais la grange, moi, j'ai pas trouvé, il y a une grange dehors. J'ai pas vu de grange dehors, mais... C'est bon. C'est bon. En fait, la maison, il y a plein de... On dirait qu'il me rate à la gueule. Merci, Egou, Benjamin, pour follow sur Twitch, même la commu. Oui, les portes se referment toutes seules. Mais du coup, des fois, ça fout le doute. On sait pas si quelqu'un l'a refermé derrière nous ou pas. Là, je crois que ça, on n'a pas fait. Merci beaucoup, Elmum. Merci beaucoup pour ton sub sur TikTok. Bienvenue dans la team. Tu gagnes le badge BTG, les emotes fantômes et les commandes vocales. Merci à toi. Et coucou aux arrivants. Ça, on n'a pas vu, hein. Je pense qu'il manque un os ici. Un coup de pelle. Ok, il faudra trouver un os ici. Ça, on peut pas lire. Merci beaucoup, Mehdi également. Je pense que c'est Mehdi pour le sub sur TikTok. Bienvenue dans la team BTG. Merci à toi. Merci à vous pour vos subs. Bah, je pouvais rien récupérer. Hein. En fait, tant que l'icône n'est pas affichée, j'ai pas une touche qui s'affiche, c'est que je peux pas interagir. Oh non, elle est revenue. Elle va me suivre tout le long du jeu. Cette poupée a un trou de serrure dans le dos. Est-ce qu'on a vraiment envie de la mettre en marche si elle se met à parler toute seule? Alors attendez, le dessin de cet enfant ressemble à une carte. Ok, c'est la maison de la sorcière, les amis, de Madame Dawson, parce que regardez, il y a le pneu. Il y a le pneu balançoire. Et je me souviens qu'en allant dans la maison, il y avait un pneu balançoire. Donc c'est pas la première maison, c'est bien celle où on est. Et donc l'espèce de grange, derrière, il y aura quelque chose à ramasser avec la pelle. Merci Polly pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Ok, on va sortir de la baraque. Ça, on a vu. Putain, mais où c'est qu'on redescend? Attendez, là, on va vers lui, ça va pas. Je sais plus par où c'est la sortie. C'est quoi, là? C'est un miroir, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc, par là, on peut pas passer, faut qu'on fasse demi-tour. Salut Yoko, ça va? Coucou les arrivants. Je crois qu'on est obligé de repasser par là où il est, hein. On n'a pas le choix. Oh putain, quel enfer, faut qu'on repasse le voir. Alors je commence un peu à m'habituer à lui, ça va mieux, mais... Putain de merde. Là? Je crois que c'est là. Ok, je pense que c'est là. Merci Naïssa, c'est les 3 mois de sub, c'est le petit fantôme, comment ça va? Coucou aux arrivants.
Si c'est là, regardez, c'est là où je crois que c'est le prêtre ou le père. Parfait, on est dehors. S'habituer aux démons qui roulent. Pour ceux qui arrivent en cours, on revient. En fait, on a été abandonné à notre naissance. On savait pas pourquoi. On a grandi dans un orphelinat. Je vous fais un mini résumé. Et en fait, nos parents sont morts. Ok. Et on a appris qu'on avait hérité de leur manoir. Donc là, on retourne dans le manoir de nos parents qu'on n'a jamais connu. Et en fait, on comprenait pas pourquoi ils nous avaient abandonné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une sœur. Et en fait, cette sœur, elle était gravement malade. Et en fait, il n'y avait aucun traitement qui pouvait y faire quoi que ce soit. La maladie était incurable. Et en fait, il y a la voisine qui est venue voir nos parents et qui a dit « Bah moi, j'ai un remède pour elle. » Et en fait, ce qu'on savait pas, c'est que la voisine, elle a fait un rituel satanique pour foutre un démon dans le corps de la fille. Donc au début, la fille, elle est mieux. Mais en fait, elle s'est rendu compte qu'après, elle était agressive, elle se mettait à tuer des gens. Et donc nous là on revient dans la maison de notre enfance, donc on a appris tout ça, donc on sait qu'on a une sœur possédée, et on essaie de finir d'accomplir le rituel pour se débarrasser du démon, et libérer notre sœur. Et là on est dans la maison de la voisine apparemment, qui faisait des rituels satanistes. Coucou les arrivants. Je pense que c'est là, ça vu que c'est le truc du gamin, je pense que c'est la clé qui va derrière la poupée à mon avis. Et on va profiter pour entrer dans la grange. Merci beaucoup Sandy pour le super power. Merci à vous les amis TikTok. Merci beaucoup pour ton gift. Ok, parfait. Ah, c'est en haut. L'emplacement qu'on avait, c'était une batterie. Discord, c'est un endroit, les amis, où vous avez... c'est un chat. Donc, en gros, c'est un outil où vous pouvez chatter comme s'il y avait live, mais il n'y a pas de live. Il y a toute la communauté dessus, et surtout, vous avez les notifs de live. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce qu'il n'y a plus de notifs de live sur TikTok. Sachez qu'à chaque live, il y a une notif qui part sur Discord. Donc, à chaque fois, vous avez la notif, et comme ça, vous le savez. C'est super utile. Donc, n'hésitez pas. Tu vas me donner faim, ouais, bah, les M&M's, j'aime trop ça. Ok, donc ça c'était la batterie qu'il fallait pour en haut. C'est moi ou ça parle? Non, c'est une mouche, je crois. C'est une mouche, c'est un insecte. Coucou Athéna, coucou les arrivants. Ok. Faut qu'on retrouve la poupée en premier, je pense. Par contre, ce que je comprends pas, c'est comme la dernière fois. Il a une lampe à huile et le mec, il tient à tenir sa bougie. Je pense qu'il est un peu maso. Il doit kiffer avoir de la cire fondue sur lui. Parce qu'on est d'accord qu'entre tenir une bougie comme ça et la lampe à huile, tous les jours on prend la lampe à huile. Il n'y a aucune raison de se faire chier avec la bougie. C'est quoi ça? Il n'y avait pas ce bruit tout à l'heure. Putain, je sais plus où c'est la maison de la poupée. La chambre de la poupée. C'était à l'étage un peu en dessous? Je crois que c'était un peu en dessous, non? Là, non, j'aurais dit par là. Je crois que c'est là. Là, il y a les toilettes. Et là, c'est quoi? C'est là. C'est bon, je reconnais, c'est là. Alors là, vous pouvez pas dire que j'ai pas le sens d'orientation pour une fois. Ouais, j'ai vu qu'il y en a même eu plusieurs de sauvegarde à la suite. Je sais pas ce qu'il peut avoir dans cette saloperie. Yeah!
l'enfer. Les bébés de l'enfer, non mais c'était l'enfer. Alors ils sont en train de montrer un groupe de musique ou... Ils étaient au moins, je sais pas, 7 ou 8 bébés de l'enfer. Alors ça, on sait où le placer. Merci pour les follows sur TikTok. Pour rappel, n'oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur. On en fait du dimanche au jeudi soir. Et des fois, ça arrive que les lives coupent. Donc n'oubliez pas de follow pour retrouver la chaîne. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. C'était tendu, hein. Ça arrive, moi, elle est choquée. C'était où? C'était en face? Je crois que c'était là. Ok. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Attendez. Ça fait la lumière. Ça doit activer un truc. J'ai Pancake et quand Pancake m'a dit ça doit activer un truc. T'as raison, hein. Ça doit activer un truc. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je vois pas ce que ça a fait. Non, là, on a ouvert le passage vers l'enfer. Il est là longtemps. Accepte, Seigneur, le sang de cette famille et viens sur terre pour régner. C'est les rituels qu'a fait la voisine, je pense, pour nos filles. Il manque une coupe. Je peux rien faire, il manque une coupe. Je me demande s'il faut pas trouver de quoi remplir la dernière coupe. Côté Stranger Things. Ça devient très creepy, ouais. Ce sont mes parents? Ah, c'est possible. C'est un cœur? C'est notre sœur. Notre sœur, elle a pris cette tête-là. C'est le cœur de notre sœur? Le cœur humain. Non, bah c'est bon, on a de quoi faire. Hein. Je pense que si on essore le cœur, ça doit nous faire du sang, non? Il manque mon sang. Ah, c'est vrai, il y a 4 coupes. Ah putain, mais moi je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont fait revenir. Pour que... Je pense que c'est le démon qui a tué les parents pour nous faire revenir. Ah, c'est un gros caprice ça de bébé. Je sais où on met. Je sais où on met. Vous savez, en haut, il y avait un truc dans lequel on pouvait mettre des décharges électriques. Je crois qu'on va on va redémarrer le cœur. On va refaire vivre le cœur. Je pense qu'il faut qu'on revienne. Je crois que ça va redémarrer le cœur. C'est le cœur de notre sœur ou pas? Souvenez-vous, on a récupéré une batterie. Et il y a un truc, c'est branché et on pouvait mettre un organe. Donc je pense qu'on va redémarrer le cœur. Merci Sandrine et Tanis pour vos follow sur... Et Poupi et Yoko pour vos follow sur Twitch. Même bien communiqué. Merci pour les follow sur TikTok. Non, je pense pas que le cœur c'est pour le sang. C'est pour... Je pense qu'il faut qu'on redémarre le cœur. Avec l'outil qu'on a vu en haut. Là où il y a notre pote qui fait le... qui fait sa ronde là. Il est encore là, votre ami? Il est parti. Il est parti, je crois.
C'était au dernier étage, il me semble, c'était sur notre gauche. Putain de merde, il est encore là. Attendez, si je le prends par derrière... Enfin, vous m'avez compris. Eh ben, je peux le faire tourner en bourrique. Il est immonde, il est immonde. Viens mon petit, viens. Viens, je t'ai acheté des croquettes. Oh putain, ouvre-toi. Viens. Viens mon petit, on veut voir si tu passes les portes depuis tout à l'heure. Merde. Viens. C'est bien. Ok, on court pour y aller. C'est là? C'est là. C'est bon. On l'a eu. Donc là, regardez, je pense que là, on peut mettre le cœur, non? Putain, il fait flipper vu qu'il est à côté. Non, on met la batterie. On le barre derrière. À mon avis, si un cœur... Si le cœur se met à rebattre... C'est le cœur de notre sœur, votre avis? Il disait de poignarder le livre, ouais. Ça, c'est ce qu'on devait faire. Je crois que c'est notre père. Je crois que c'est notre père. En tout cas, on l'a retrouvé. On a retrouvé le couteau, on a le livre. On peut pas le faire directement, je pense qu'il faut trouver le bon endroit. Je pense qu'on est pas loin de la fin du rituel, les amis. Merci pour le follow sur TikTok. N'oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur. On en fait presque tous les soirs. Comme ça, s'il y a une coupure, vous retrouvez la chaîne facilement. Et coucou aux arrivants. Bienvenue parmi nous. Le miroir, ouais, c'est un passage, Emlo, tout à fait. Mais je sais plus où c'était, moi, le miroir. C'était dans la première maison? On se barre d'ici? Attendez, on n'est jamais venu, là. Si? Si, il y avait le magnétoscope. C'était dans la première maison? Non, c'était en bas? Ok. Ok, en bas. Putain, heureusement que vous êtes là pour l'orientation, parce que... Là, on l'a écouté, ça. Attendez, j'enlève un petit message. C'était là où il y avait la poupée? Non, je crois pas. C'était là où il y avait la poupée? Miroirs sont un passage pour les âmes, ouais, tout à fait. Mais je sais plus où c'était, les amis. Il y a des escaliers de partout. Je crois que c'était là, non? C'est là. Là où il y avait le piano vers la grange, non? Ah non, c'est pas du tout là. Putain, mais c'est où? Une grande pièce avec deux portes. C'est dans une pièce avec une porte, c'est ça? Mais en bas, il n'y a rien, les amis, j'en viens. Vers les toilettes? C'est par là, je pense, vers les toilettes. Hein. Mais les toilettes, c'était où déjà? J'en sais rien, putain. Alors attendez. En fait, il faut reprendre les autres escaliers. Il y a deux escaliers. Je crois que c'est ceux-là d'escalier. Vous êtes sûr? Là, il y a les chiottes. C'était horrible. Le passage dans les toilettes, je crois que c'était l'un des plus horribles du jeu. Le sens de quoi? Moi, j'ai un sens de désorientation. Un sens d'orientation, j'en ai jamais eu dans la vie. Merci Gabriel. Pour le moment, ça fait 6 mois. Et c'est le grand fantôme, Gabriel. Merci à toi pour ta présence, j'espère que tu vas bien. Coucou les arrivants. Ok, parfait. Donc là, on est revenu dans la bonne réalité. Ou pas du coup. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ça y était pas, non? Ça a apparu, non? Fait demi-tour. On peut pas. Je me suis dit, bon allez, c'est mort, on retourne dans le sens inverse, on annule, on annule, on annule. Ok. C'est le corps de notre sœur, du coup. C'est moi, il y a du sang au-dessus. Ah putain, c'est les différents démons. Souvenez-vous, faut qu'on connaisse le nom du démon qui possède notre sœur. C'est comme dans Mortuary Assistant, il faut connaître, ou comme dans tout le film d'horreur, il faut connaître le nom du démon pour pouvoir l'exorciser. Je pense que c'est les différents démons possibles. Et là, il y a le coffre-fort des démons. What the fuck? Alors attendez, il y en a trois. Attendez, on va voir comment ça tourne pour essayer de comprendre. Une étrange serrure avec des symboles, je dois trouver comment l'ouvrir. Et ça peut être aligné en fonction de différents trucs. Là, il y a une sorte de serpent, là, il y a un bateau de viking. Merci Kev, bienvenue parmi les petits fantômes, merci pour ton premier mois de sub. Alors attendez, est-ce qu'on trouve les symboles déjà qu'il y avait là, le tableau de, le truc de viking, et je sais plus ce que j'ai, le serpent il est là. Le serpent il est là, regardez, ça c'est l'un des trois symboles, ok? Et lui il a deux Y avec un 1. Et lui, il a des tridents. Merci pour les follow les amis TikTok. N'oubliez pas de follow si vous aimez l'horreur, on en fait presque tous les soirs. Comme ça en cas de coupure. Alors attendez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire déjà avec ce qu'on a. On a ça, c'est un Y, ok. Ça c'était une sorte de trident. Le problème c'est que quelle pièce. Ah attendez, ça c'est le petit. Donc le petit on met le Y. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'était correspondait au Y. Celui-là ça correspondait au... Ça correspondait à quoi celui-là? Attendez, j'ai oublié. J'ai compris comment ça marche. Trident. Et le serpent, c'est le Y. Merci Onyx pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Donc celui-là, c'est le plus petit cercle. Donc il a le Y. On est bon. Et celui-là, il a le trident, c'est le grand cercle. Donc on lui met le trident en face. Donc lui, il a le trident. Le petit cercle, il a Y, donc il reste celui-là. Celui-là, logiquement, à force de tourner. Voilà. Vous vous souvenez que... Je crois que c'est dans la première maison. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un cadre, il y avait un triangle? Vous vous souvenez? En rigolant, j'ai dit qu'il fallait mettre la Triforce. Et ben, je croyais pas si bien dire. Vous vous souvenez ou pas? Merci Maria pour le follow sur Twitch, même la commune. Merci pour les follows sur TikTok. Si vous aimez l'horreur, vous êtes au bon endroit, vous faites bien de follow. Vous vous souvenez? C'était dans la première maison, c'est ça, Flore? Ok, il faut qu'on y retourne. Pyramide, j'ai vu une porte dans le sous-sol de la maison de mes parents. Ok, on y retourne. Hello, papier. Papier. How are you doing today? Did you know this game? Thank you. Thank you, Marge, for the gift.
Ok, donc là on est revenu dans la maison où il y a l'espèce de démon, mais je pense pas qu'il soit là vu qu'on est en mode dimension normale. Donc on remonte ces escaliers, on traverse, on reprend d'autres escaliers, et ça devrait nous amener en bas. C'est ouf, comment je fais pour me perdre autant, je comprends pas. Là, c'est là. C'est bon, c'est là. Je crois. Ou c'est d'où on vient? Non, je crois que c'est là. Ok, parfait, on peut retourner à la première maison. Merci Anna pour le follow sur Twitch également. Bienvenue à la commu. Ok, parfait. Serait-ce, je suis de retour à la maison. Vous pensez que c'est la sœur qui était en bas Vous savez, au début du jeu, enfin dans la première partie du jeu, la personne qui mangeait quelqu'un, elle a enfermé dans la cage, vous pensez que c'était elle ou pas? Parce qu'on a vu qu'elle s'est transformée en démon. Attendez, c'était où? Ah, c'était là. C'était au sous-sol du sous-sol. Ça avait l'air d'être un homme. Ouais, ça avait pas l'air d'être elle, mais du coup, normalement, il y a que elle, vous voyez ce que je veux dire? C'était Philippe. Et là, c'est bon. Avec le garde-manger. Quel enfer, cette pièce. Quel enfer. Ok, parfait. Oula, attendez, j'ai du lag sur Twitch. Vous êtes là? Attendez, j'attends deux secondes, les amis TikTok. Pour une fois, c'est sur Twitch où ça lag. J'ai un gros coup de lag, là. Attendez, hop, c'est bon, vous êtes revenu? Ça a lagué, c'est bon? Ok, j'ai eu un gros coup de lag de mon côté, c'est bon, vous êtes là, je voulais pas avancer sans que vous puissiez voir la suite. Ok. Merci Loki pour le sub, bienvenue dans la team BTG, merci pour le sub sur, sur TikTok. Merci à toi, tu gagnes le badge BTG, les emotes fantômes et les commandes vocales. Et coucou aux arrivants, on est je pense dans la dernière partie du jeu. Et si vous aimez l'horreur, n'oubliez pas de follow, on fait quasiment tous les soirs, vous êtes au bon endroit. Elle est là, c'est notre sœur, et c'est le démon qui la possède derrière. Je reconnais sa tête, c'est le démon qui la possède derrière. Merci Raphaël, bienvenue parmi les petits fantômes, merci pour ton premier mois de ça, merci à toi, et merci à Antonin pour le follow. Bernard, bienvenue à Commu. C'est lui, hein. On a vu sa tête au début, hein. Il ressemblait à ça, le démon. Donc si on met le livre et qu'on transperce avec le couteau, logiquement. Elle est où notre sœur?
Ça n'a pas notifié ton resub? Il y a des fois des retards. Merci beaucoup pour ton resub, Weiba. Merci à toi. J'ai pour le petit fantôme. Attendez, elle est passée où la sœur? En haut? Non. Bon, normalement on a libéré la sœur, vous pensez qu'on va la retrouver en pleine forme? Merci Crazy Panda pour le follow sur Twitch, même l'inconnu. 6 mois plus tard. Attends, on était vraiment à s'accracher vraiment à la fin. Mais je sentais qu'il y avait une fuite mémoire sur le jeu, parce que plus on avançait, il y a des coups de lag par moment. Je pense qu'elle est en vie, la sœur. Santé, Mallory. Lily descend, le petit déj est prêt. C'est nous, elle est en vie, on a sauvé notre petite sœur. Vous avez vu, je cuisine les petits déj, moi. En fait, on lui tue des gens. On l'a pas sauvé, on lui tue des gens. Je m'attendais pas. Je pensais qu'elle était sauvée. Je pense que quand il lui a dit qu'il lui préparait le petit déj, je pense qu'à mon avis, elle est pas sauvée, elle est en démon et on a tué quelqu'un et on lui rapporte des humains à manger, c'est ça? Vous le comprenez comment, vous? Parce que vu la tête qu'elle a, elle mange pas des biscottes, elle, c'est pas possible. Elle a au moins 3 rangées de dents de 72 dents chacune. À mon avis, elle bouffe de l'humain, on est d'accord? Hein? Elle mange pas des bichocos ou des choses comme ça, c'est ça? Putain, en fait, la fin, elle est trop bien, les amis, parce que on pensait que c'était une bonne fin, et il y a eu un twist incroyable, et je m'y attendais pas. Et j'adore les fins comme ça avec un beau twist. Honnêtement, trop bien. J'espère qu'il vous a plu le jeu.